got no time for you. Looking or breathing, and we don't want you to. So step out the queue, he makes examples of you. And there's no way you can say behind the door through to the bit where you pay. And you realize then that it's finally the time to walk back one step out the night. Le Québec est pour moi vraiment le pays le plus sympa parce que vraiment la population est cool. Ils ont la réputation d'être gentils et c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment super sympas. En plus, ils ont un accent marrant, donc ce qui fait que tout est marrant en fait. C'est, toutes les phrases deviennent drôles. Même si vous avez des mauvaises nouvelles à apprendre dans votre vie personnelle, je vous conseille fortement de les apprendre au Québec. Payer le billet d'avion, ça vaut le coup. Même si c'est des trucs tristes, des trucs graves, des trucs. Allez au Québec, ça passe. Vous avez le cancer. Tu fais... Ça passe bien quand tu le dis. Répète. Non, c'était un grand problème, mon bon ami. Ah, non, j'aime bien quand c'est toi qui le dis. Souvent, les humoristes disent « Ouais, j'ai des problèmes avec les filles, j'arrive pas à draguer, machin, c'est chiant. » Non, moi, je baise. Voilà, ça, non. C'est important de que tout le monde le sache, en fait, voilà. Je vous laisse un temps pour vraiment l'apprendre. Voilà, excusez-moi. Non, mais maintenant, on reprend le... Voilà, donc je baise. Et j'ai fait le top 4 des pires phrases que moi ou des potes on a entendues au Québec. Numéro 4, c'était « Tapo ». Tape au fond, tape au fond. Là, tout s'arrête. Tout. Il y a un vortex temporel qui se crée. Enfin, tout le temps s'arrête. Tous les oiseaux s'arrêtent de voler. Ils font. On ne se moque pas du tout. On ne se moque pas. On rit ensemble, d'accord, de quelqu'un qui n'est pas là.